Hey, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de Feed the Patrick en compagnie des abeilles. Bonjour tout le monde. Bon, alors j'ai une bonne nouvelle concernant mes abeilles. Il y a une chose qui m'a été... Comment on pourrait dire ça? Une chose qui a été approuvée. Oui, voilà, tout à fait approuvée. Quelque chose de sûr, c'est que les Oblivion, on peut les chercher... dans un biome ou bien sûr dans l'End. C'est le seul endroit où j'ai pas été trop cherché non plus parce que j'ai il y a eu quelques petites modifs dans l'End, ce genre de choses. Alors moi de mon côté je me suis fait un Blast Furnace avec tout ça dedans parce que j'ai besoin d'une stainless de ce genre de choses. Donc je m'en suis fait avec des beaux petits freezes. Je ne sais pas de quoi ça vient cette fois-ci. Je me suis fait le automatic compresseur ici avec la wire mill avec déjà les crafts dedans. Donc je vais changer pour mettre les crafts des copper cables, ce genre de choses. C'est plus utile. Voilà. Ici ça rentre dedans pour alimenter tout ça. Alors il y a des MFE. MFE toujours en dessous. Relié à MV Transfo qui alimente ceci directement. Comme ça j'ai toujours une réserve d'énergie en dessous si j'en fais plusieurs à la fois. Il y a certains crafts qui demandent énormément de choses et notamment du temps, donc c'est pour ça que je vais les faire via tout ça. Bon, maintenant, une fois que ça c'est dit, j'ai relié avec ça bien sûr. Il y a une chose qui m'a été fait dans l'ancien épisode, c'est ici. J'ai fait via Applied et ça a légèrement merdé un peu. Du fait qu'il y avait certaines races qui rentraient dans d'autres apiaries, donc du coup ça mélangeait les gènes, j'ai dû un petit peu tout refaire. Un peu, hein, juste quelques, j'en ai essayé sur celle-là. Et les gènes se mélangeaient entre elles, donc ça, pour l'instant j'ai arrêté la production. J'ai toujours 8000 de quartz, donc aucun problème pour ce genre de choses. D'ailleurs le quartz je vais un peu le transverser de l'autre côté. Transférer de l'autre côté. Pouf, on va faire plus simple. Du coup, moi de mon côté, je pense refaire un petit peu de bullcraft là-dessus. Hein, ça marchait bien. Je vais sans doute, voire au pire, vraiment au pire, c'est que je vais mettre des réseaux apply pour chaque espèce avec des couleurs différentes. Donc ça veut dire qu'il y aura un access terminal, par exemple vert, un bleu, un rouge, un jaune, qui fera en sorte que chaque drive sera disposé pour une espèce, voilà, directement. Je sais que ça marche pour chez Shorty, donc faudrait que ça marche pour moi également. Du coup, est-ce que j'ai des crops? Oui, j'ai des scoops, pas des crops, des scoops. On va aller dans l'end chercher les fameuses Oblivion, donc je vais indiquer le point de l'end qui se trouve là-bas, très bien. Vive les freezes. Ah oui, aussi. Ok, merci, vas-y, fais-moi envoler, je te dirai rien. Voilà. C'était cette touche-là que je la voulais. Tac, pouf, 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 pouf. Ça me permet justement de pouvoir... appuyer sur les touches et voler pour pas être emmerdé par la suite, voyez-vous. Donc c'est en train de changer petit à petit. Nous on va aller dans l'end, à côté de l'end. En plus il y a Shorty juste à côté, hein. Quoi comme node? Ah, 94 de R, ok, oh, c'est cool. Ici bah, c'est Shorty avec son grand et puissant dôme avec ah d'accord, il s'est mis le beacon carrément. Ouais bah ouais, pas con. Pas con du tout. J'ai pas été voir hier du fait cause du crash, ce genre de choses. On va aller voir les PNJ, tiens. La cuisson des PNJ si ça passe toujours aussi bien. Hop. Ah oui, la salle avait complètement changé, c'est vrai. Emerald. Ah oui, 1740. Ok, bloc. Ok, très bien. Ok, très bien. Il n'y a aucun souci pour ça. Du coup, bah, on va aller dans l'End. Alors, pourquoi l'End? Parce que c'est les Oblivion qui sont là-bas. Ouais, il y a des notes. Je crois que c'est des notes d'eau, en fait.
Ouais, 66. Et il y en a peut-être une autre là, ouais. Ah oui, elle a plus de notes, celle-là, tiens. Ça doit être une férousse. Pas une férousse, pas une ingrée non plus. Une méchante, en fait. C'est pour ça que le biome est complètement bleu. Bah, bleu, pas si bleu que ça, mais... complètement changé. Et nous, on descend vers les profondeurs et les abysses. Alors, je suis tout seul pour l'instant sur le serveur, hein, donc... inquiétez pas. Voilà. Allô, oui? Ah oui. Et j'allais me dire que l'end n'était plus actif, what? Mais si, si, il est actif, il n'y a aucun problème. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont les Oblivion là-dedans. Enter? Ah, ok, ça fait des papels. Il y en a plein partout de ça. Les Oblivion, ça m'a été dit que c'était sous la couche. Sous le dôme entier en fait. Je vais activer la Night Vision déjà. Alors, elle se trouve dans Atlantstone, donc j'espère qu'il faudra pas que je pète tout. J'espère pas en tout cas parce que. Ah, il y a de l'obsidienne ici. Mais est-ce que. Ah. Non, c'est obsidienne aussi. Il y a du tungstène. Glenstone. Eh, j'espère qu'il y en a. Hein. Bah, pour chez nous, j'espère qu'il y en a en fait. Ici. Non, c'est du tungstène aussi. Tungstène. Soldarite. Bon, je pense que je vais aller creuser moi-même. Ah, on va aller creuser un petit peu. Du coup, moi de mon côté, je vous retrouve juste après. Bon, donc, j'ai été miné un petit peu en bas, là, tout en bas. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, mais je pense aller me faire plutôt un Vajra. Ça sera la première fois sur le surf que je vais me faire un véritable Vajra pour miner. Parce que même la Paxel, là, elle est très lente. Donc, oui, c'est cool, j'ai terminé le jeu. Donc, du coup... D'accord, mon lit est obstrué. Et puis ça ne charge pas. Si ça charge. Non, ça a du mal à charger. Ah non, c'est bon. Si, c'est encore lent. Voilà. Allez. Voilà. C'est un petit peu les défauts, ça. Ok. Bonjour. Au revoir. Bon, j'ai mon Minecraft qui a crashé pour cause de World Tick. Donc, c'est la synchronisation entre le monde et puis moi. Ça m'a fait complètement crash le jeu, donc je ne comprends absolument pas pourquoi. Pourtant, j'en sais rien en fait, donc ça m'a un petit peu assolé. Du coup, je vais crafter juste un hammer qui me permettra justement de faire mon imprime là. Hop, tac, ça donne une plate. Cette plate là me servira à faire mon auto-spawner. J'ai toujours pas mis en craft tôt, je crois. Peut-être pour ça. Ah non, c'est une plate cutting machine. D'accord. Ouais, c'est pour faire la plate cutting machine. Ok. Cutting. Je vais quand même vérifier si c'est bien pour la cutting. Oui, c'est pour la cut. Non, c'est pas la cutting parce que j'ai besoin de juste de cils. Peut-être ça. Ouais, effectivement, j'ai juste besoin de ça. Donc la cutting, je vais en demander une. Cutting. Pouf. Stick. Normalement, elle doit me censer le faire dans pas longtemps. Donc là, il est en train de faire tous les crafts. Toc, toc. Voilà, il est fini. Hop, c'est génial. Cutting. Pouf. Voilà.
Je lui ai demandé des émeraudes. Évidemment, les émeraudes sont actuellement ici. Tout. Pouf, voilà. Hop, je vais m'en laisser une. Parce que je pense qu'avec quand même le hammer, ça doit marcher. Ici, non plus. Macérateur, compressé. Compressé et voilà, plate. Ok, il faut que j'en compresse 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il me faut 9 émeraudes. Voilà, il m'en faut 9. Je remonte tout en haut pour me le faire compresser. Voilà, ça fait un bloc. Faut que je redescende encore un bout. Tac, j'encode. Je le fous pas là parce que c'est pas là. Je le fous dans le compresseur. Et on retourne encore en bas. Que ceci ne donne pas 9 émeraudes, mais va donner ce que ça va donner ici. Donc c'est en train de s'actualiser. Pouf, c'est en train de cuter. J'aime bien l'animation ici. Je ne sais jamais où est-ce qu'elle sort. Voilà. Et me donne 9 Emerald Plate. Pouf. J'encode aussi. Pouf, je remonte. Tac, tac. Je le mets dans celui-là. Voilà. Maintenant, l'Emerald Plate. Pourquoi j'aime pas ce genre de craft? C'est surtout le temps que ça met. 320 secondes pour faire un putain de truc. Yeah! Bon, bah, du coup, on va faire circuit. Un petit circuit. Donc, ils sont en train de faire les câbles, l'iron, pouf, et puis ça. Voilà. Tiens, une petite question. Est-ce que dans le macérateur. Il se trouve ici, il me fait du lapis. Non, il me fait pas du lapis, tiens. Eh bah du coup, on va lui dire que le lapis que tu fais là fait du lazuri. Lazuri dust. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin sur certains crafts, notamment les circuits avancés. Il leur faut du. Comment? Du lazuri dust. Merde, c'est un seul. Donc, pouf. Voilà, et quand on le met dedans, pouf, l'azuri dust. Lapis. Ouais, lapis le machin dust. Ok, très bien. Du coup, bah, ça plus ça, alors c'est 8 plus 1, et non 9. Donc 8 plus 1. Et là, ça va être le truc le plus chiant, on va le mettre. Évidemment. C'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là. Tac, pouf. C'est pas dans celui-là non plus, puisque c'est la Wire Mill. Putain, mais je l'ai foutu où, du coup? La Sambline. Ah, elle est là, la Sambline. Ah oui, il y a quatre machins. Pouf. Voilà, et là, c'est parti pour faire. Alors, c'est un auto-spawner. L'autospawner, c'est pour faire des data storage, donc vous voyez, 320 secondes. Donc on a le temps de faire notre pour le nous, hein, pour nous principalement, on a le temps de nous faire notre Vajra. Vajra. Alors pourquoi Vajra? Parce que c'est plus rapide. C'est surtout ça. Alors, est-ce que j'ai encore des carbon plates? Carbon. Oui, j'en ai encore. Très bien. Est-ce que j'ai pour ça encore des lapotrons? Normalement oui. Lapo. Voilà, et puis je vais en garder un pour moi. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de Iron Plate? Oui. Alors, Iron Plate. 1, 2, 3. Pouf, rien à foutre. Hop. Ensuite, d'un énergie cristal. Énergie.
Normalement, c'est compressé, c'est revenu. Voilà, très bien. Et des Advanced Alloy. Alors, il y a Advanced Alloy, je ne... Ah si, j'en ai encore. Alors, ça, c'est pour faire mon craft de base. Ensuite, il me faut ceci. Ah oui, mais non. si, bah si, mais... 3, c'est cher. Ah bah la rolling machine, on peut la faire en version auto. Du coup, je vais la foutre ici. Comme ça fait plus de machines. Iridium. Alors on peut le faire comme ça et on peut la faire comme ça. C'est surtout comme ça qui m'intéresse. Iridium. Comment on fait de l'iridium plate? L'iridium avec une iridium. Très bien. Alors ça. Alors, on va aller encore en dessous. On va... Oh, putain. J'ai enlevé le craft qu'il faut pas. Ça plus ça. Hop. Qui va aller? On va le mettre là, tiens, celui-là, parce que je crois qu'il n'y a plus de place dans le four. Non, il n'y a plus de place. Du coup, ça va aller là. Je vais mettre directement ça dedans. Il me faut un hammer. En recrafter un, voilà. On va aller en dessous. Une iridium plus un hammer me donne une plate. Non, et ça va dans le craft en dessous. Voilà, tac tac. Donc je demande iridium. On demande 4. Voilà, j'en ai fait 4. Il me faut des advanced. Voilà, 4 aussi. Je crois que c'est le même prix en fait. Ah bon, en plus on peut pas le craft. Ok, très bien. Et une diamond dust. Une diamond dust. Tu me donnes la dust? Voilà, t'es gentil. Bah non, il me faut... comment j'avais fait pour le craft là-bas? Tac 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 et tac. Je vais la mettre ici. Voilà, ça me fait une iridium. Alors je pense qu'il faut que je recommande d'autres. Bon. Ah, il faudrait que je les fasse en auto les. Ceux-là, c'est du bronze, du tin et du fer, donc c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et ça, et des iridiums. Voilà. Ah, ça c'est bien, ça le met automatique. Tuc, voilà. Donc ça en train de faire ce truc, moi je vais le récolter. Voilà, je l'ai récolté. Hop, non, on descend encore un étage. Voilà. Je vais l'encoder. Et je vais le mettre là-haut. Voilà, ça dit que je veux faire une iridium. Maintenant, si je recommande une iridium. Une iridium renforce cette plate. C'est mis automatiquement. C'est en train de se faire. Et il se fait aspirer. J'allais me dire non, tu ne vas pas te faire aspirer. Non, j'ai pas envie. Si, si, t'as envie. Maintenant. Oh putain, c'est cher. C'est très très cher. Bon, bah, on va faire ça en mode YOLO. Oh non, il faut ça. Bon, ça va, c'est pas très cher que ça. Ça, c'est un peu plus cher. S'il faut des copper plates. Ah bah, des copper plates, on en a. Donc, c'est pas. MV, on a. Circuit, on a. Iron, machin. Je ne pense pas qu'on ait ce qu'il faut. Iron. Iron casing, non. Donc, on va le faire. Ok.
Play cutting machine. Eh bon, on va le faire manuellement. Iron. Voilà, c'est ça un petit peu les trucs les plus chiants en fait, c'est qu'il faut le faire automatiquement. Donc deux comme ça. Non, c'est plutôt un. Un comme ça. Dans la cutting machine, je vais en mettre deux pour en avoir d'avance. Voilà, ça m'en fait deux. Alors à la base on devait aller dans l'end, mais non. on va faire en fait le Vajra, on va le faire ensemble, comme ça, tranquille, basta. Et puis voilà, hein. Faut bien que vous passiez aussi par les mêmes étapes que moi, donc ça veut dire vous faire chier jusqu'au bout. Espèce de codard de merde. Oh non putain les fibres, oh, c'est chiant. Bon, ça je peux le faire en craft auto, ça c'est fait, ça aussi, ça il va nous servir qu'une fois, donc on va le faire manuellement, sauf ça. Bah ça on va le faire du coup. Tac, pouf, hop. Tac, tac. Oula, c'est cher. Tac. Je m'en rappelais plus que ça faisait aussi cher que ça. Ah bah du thermal silver. Cool. Et du silver, donc du coup on va faire silver. Silver de thermal. Pouf. Faudrait que je le mette en auto ça. Un silver comme ça. Non, en dessous. Pulvériseur. Non, macérateur. Je vais le faire macérer. C'est un silver de Gragtech. Et on a plus ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Ah, c'est Gragtech. Est-ce que j'ai encore des pulvériseurs? Si j'ai un pulvériseur, tant mieux. J'ai pas de pulvériseur. Il m'aurait dit autrement, je t'en voudrais en fait. Pulvériseur, donc. Ok, on a quasiment rien d'autre. On va faire ça. Tac. On va faire un piston. Tac. J'ai pris du bon, je m'en fous. Tac. Alors, pourquoi avoir fait un pulvériseur? Parce que lui, je vais le faire en craft auto. Tac. Je vais le foutre ici. Je vais lui dire que l'entrée se trouve au-dessus, que les sorties se trouvent en dessous. Voilà. En clair, je mets ceci. Voilà. Ça me donne un pulvériseur de silver. Tac, j'encode celui-ci. Cela, je l'ai mis là-dedans. Voilà. Et le pulvériseur, je lui dis que ça fait ceci. Donc en fait, quand je demande un silver maintenant, alors là j'ai mis un iron, un or, mais là ça va en donner deux. Hop là, voilà, comme ça on est gagnant. Et je pourrais limite, non en fait, parce que je pourrais pas l'exporter du coup. Tant pis. Du coup, bah j'ai ça, très bien. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, on va voir déjà dans l'épisode 23 minutes. Oh, ouais, ça va. On va continuer. Le Vajra. Le Vajra. Ou Vajin. Tac. Vous avez rien entendu. Circuit, ça. Alors, un Tesla. On va le commander. Commandons un Tesla Coil. Voyez-vous. Normalement, ça met pas longtemps. Tesla. Non, tu veux pas. Il faut un MV, il faut des... Ah, c'est bien des iron que j'ai mis. Ah, je me confonds toujours. Voilà, il est fait le Tesla. Du coup, ensuite, il nous faut notre HV. Le HV, je vais le faire puisque j'en ai besoin. Il me faut un MV, un circuit de copper cable. Tac. Ah merde, j'ai plus de blank pattern. Fuck. Du coup, on va en recommander.
On va faire 20. Si j'ai du quartz, autant l'utiliser. Alors, maintenant, faire ceci. Sulfure et lead. Ok. Sulfure. Ok. Lead. On n'a pas de lead. Donc, je vais refaire le craft. Tu me fais chier, il va falloir que je le refasse. Un lead comme ça. Dans un pulvériseur. Voilà. Vous voyez, c'est des petits crafts comme ça qui sont un peu chiants à faire tout le temps, mais qui sont nécessaires. Hop. Un sulfure et un lead. Tac. Alors ça, c'est pulvériseur. Voilà. Ça fait ce genre de choses et des bronze casing. Je pense que je vais faire via la machine. Ouais, une bronze plate. Hop. Ah, il n'y a pas des bronzes. Hein. Ils sont pas en craft auto les bronzes. Bronze, bronze, bronze. Le bronze. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Bronze. 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 Ah d'accord, il est pas en craft auto. C'est du tin et du copper. Il est pas en craft? Bronze. Ah ouais, il est pas en craft. Oh. Ah bah. Ah bah je pensais. Bronze, copper. Putain, le copper j'en ai plein. Bah du coup. Hop. Hop. Ça fait deux bronzes. Ok, bah je pensais réellement que j'avais du bronze en fait. Du bronze en craft. Bah là, il est en craft auto. Ok. Du coup, il me faut un autre hammer. Autant en prendre un neuf, hein. En même temps j'ai du fer et je peux y aller. Un hammer. Un bronze est égal à une plate. Une plate. Oui, bien sûr, je. Ah, bien sûr, IP. Une plate. Une plate. Et puis une bronze comme ceci que vous mettez dans la plate cutting. Ok, merci. Il me l'a bouffé. Prince, ça en fait deux comme ça. Deux. Deux, j'ai dit. Voilà. Et voilà. En fait, c'est plutôt pratique cette machine-là, parce qu'avec un seul lingot, vous pouvez en faire deux. Je pourrais faire pareil pour les câbles, pour la wire mill. Hein, un copper égale trois câbles, mais autant que j'ai du fer, autant y aller. Hein. Parce que la mob essence, je l'obtiens à partir de d'ici. Voilà. De ces messieurs, et quand lui travaille, il récupère de la mob essence et de l'iron. Et cette mob essence me va là, qu'une fois que j'ai plein de mob essence, je vais foutre un autre tesseract avec un fluide et un fluide export avec la mob essence. Et je vais lui dire que dans un auto-spawner, je pourrais faire spawner ce que je veux. Notamment des villageois. Alors, maintenant que j'ai tout ça, j'ai ceci, j'ai cela. Que ça c'est fait, que ça c'est fait. Du coup, je vais pouvoir commander un HV. Normalement, je peux commander un HV. J'espère qu'il va pas prendre beaucoup de temps. Et pourquoi il me met missing? Ah, advance. Je vais en commander un. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis missing, lui. Huh. Pourquoi il m'a mis missing, lui? Ah, quand il le craft, ça fait que ça? Non. Pas possible. Ok, Cristal va te faire foutre. Non,
Ah, si tu veux. Advent. Non? HB? Oui. Ok. Alors, il y a peut-être un problème avec le compresseur, du coup. Non, bah non. Bon, bah, je sais pas. Il y a eu légèrement un petit problème. Donc là, je le remets là-bas. Ça aussi, je peux le remettre. Ça avec. Alors, j'ai ça, j'ai ça. J'en ai une. Il m'en faut une autre. Il m'en faut beaucoup d'autres. En fait, j'ai pas fini. Ah oui, merci de me faire repenser. Il y a ces fameux trucs. Iron, bronze et machin. Alors, iron, bronze. Hop, une bronze et une tin. C'est bien, ils sont en craft. Alors, tin, bronze, tac. Maintenant, bah c'est cool que puisque j'ai ça, je vais le faire manuellement. Iron, bronze, tin est égal mixed metal. Ceci, c'est égal à ceci que l'on fait dans un compresseur. Hop, et je le fous là. Voilà. Et normalement. Merde, les Advents, c'est pour moi en fait, les Advents. Pourquoi je l'ai foutu là-dedans? Advents. Il m'en faut deux. Hop, voilà. On descend. Alors, il m'en faut deux pour lui. Maintenant, si tout est correctement bien fait, j'ai bien dit si. Attends, est-ce que le silver, je l'ai mis? Ouais, il est en craft auto. Mais je vais aller revérifier si c'est bien la fibre pulvérisée shit. Fibre. Pulvérisée. Pulvérisée de quoi? What? Putain, j'ai perdu la mémoire. Pulvérisée de silver, voilà, c'est très bien. Avec ceci qui est très chiant, plus ça. Alors, normalement, si tout va bien. Si tout va bien, et je crois que j'ai pas fait ça, le matron, manier. C'est bien un manier, hein. Magnétron. Magnétron, c'est iron, copper. Non, iron. Ok, j'en ai déjà. Copper. Voilà. Alors, si tout va bien, hop, je vais le faire manuellement. Tac, tac. Toc, 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 toc. J'encode. Comme ça, je peux en avoir un directement. Hammer, copper, iron. Et iron, il m'en faut deux, c'est vrai. Magnétron. Voilà. Un magnétron. Allez, voyons ce qu'il fait. Un, deux, voilà. Iron. Ah oui, merde, il faut les copper. Les carbones. Et bah hop, c'est reparti. Vous voyez, c'est un peu chiant des fois ces carcons. Carbone. 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 Plate. Ah, on peut faire des carbones pour l'INSS? Oh. Ah oui, color à côté. Oui, ça marche pas très bien d'ailleurs. Industrie ou forest, il a besoin d'une île bloc. J'ai essayé de les faire, les abeilles là, en parlant de ça. Infernal et alt full. Nether biome. Oh oui. J'en chie d'avoir des infernales en plus. Ok, bon bah je ferai ça plus tard en fait. Ok, très bien. Et au fait, ça produit quoi? Parce que c'est bien beau, mais. Ok, du coal. Carbon coal. Ok. Du pyro. Pyro. Feu, bah oui. Ouah, elle crée ça. Mais c'est génial! Du molten combe. Ok. Oh, mais c'est génial en fait. Et celle-ci, c'est Enderium block. Oh. Oh, ça me plaît ça. Oh, que ça me plaît. Oh, comme elle va être chiante à faire. Oh, il faut des obliviennes. Ok, bon bah.
Une platinium, du nickel d'une var. Bloc de platinium. Bloc de nickel. Bloc de furious. Ah non, d'iron. Ok. Bon, elle l'attendra un petit peu en fait. Du coup, bah ça, ok. Ça va être simple en fait. Hop. Craft auto. Auto. Ah, c'est obligatoire là, wire mill. Non. Gold dust. Ok. Bon, on va faire coal. Coal dust. Ouais. Thermal. Ouais. Mais c'est plus ça que je veux. Donc, un coal. Je crois que je vais devoir le faire pulvériser. Et en plus, c'est lent. Et ça fait un. Ok, ça fait un thermal. Donc, du coup, je fous ça là. Tac, tac. Comme ça, j'en ai plein. Du coup, ici, ça me fait ceci. Alors, ça, c'est pulvériseur. Ici, c'est craft auto. 4 comme ça fait une. En clair, ça et ça. Voilà. Du coup, bah moi je vais m'en faire une de mon côté. Voilà. Une comme ça. Une comme ça. C'est égal à une comme ça. Hop, on remonte. Ici. Pulvériseur. Compresseur. On vérifie. Et ça fait une carbone. Ok. Eh bah hop. Amuse-toi. Et normalement, il doit me les faire petit à petit. Du coup, moi, on est à combien? Oh, 37 minutes, j'ai pas vu. What? Ah bah, excusez-moi, du coup, pour le temps. L'épisode prochain, nous reprendrons sur les abeilles. Tranquillement, on va reprendre sur les abeilles. Il me faut les Oblivion pour pouvoir faire enfin cette fameuse draconite, mais il faut que j'arrive à avoir mes premières abeilles, qui sont un petit peu chiantes puisqu'il faut des blocs spéciaux à côté d'eux, et je ne sais pas s'il faut les placer au-dessus, en dessous, sur les côtés, ce genre de choses. Donc bon bah voilà, et puis sur ce, merci d'avoir regardé, même si l'épisode était très long avec les fameux golems en train de se faire déchiqueter la gueule et me faire remplir ma baissance, voilà. Et en plus, on peut le voir ici que ma mob essence est de 4 kilos bucket. Ouais, c'est ça, 4000 buckets. Voilà, allez, sur ce, merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.